Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre. La météo est incertaine, je préfère vous prévenir. Mais en revanche, je peux vous assurer que tout est prêt pour vous faire vivre ce match. L'échauffement a donné quelques indices sur l'importance que les deux équipes accordent à cette rencontre. On a senti de la décontraction, c'est vrai, mais beaucoup de sérieux aussi. En tout cas, l'ambiance est magnifique et les supporters attendent les premières occasions pour vibrer avec nous. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. L'Iran qui aligne donc un milieu renforcé, ça ressemble à un 4-5-1. Ça a souvent été le système de référence dans les matchs à ne pas perdre. Avec un milieu de terrain fourni, on peut défendre plus facilement, notamment sur les ailes. Mais après, ça veut dire que l'entraîneur a confiance en son attaquant de pointe, parce qu'il risque d'être un peu seul. Ok, c'est parti. C'est joué dans la profondeur. C'est dégagé loin. Il allonge. Oh, le bon ballon. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Et il perd l'équilibre. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Il se fait pardonner. L'Iran qui espère sans doute l'emporter plus largement que lors du dernier match. Il a tenté, bien joué. Attention au centre. Énorme occasion. Oh, quel bel arrêt. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Premier corner dans cette rencontre. Il est là pour dégager. Et il est sorti du jeu. Oh, attention! Un grand dégagement le plus loin possible. L'Iran qui cherche l'ouverture. Dégagé très loin. L'Iran qui peut avancer. Allez. Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer évidemment quand les équipes auront réellement pris leur marque. C'est vrai, mais il n'y a pas de raison de prendre des risques inconsidérés non plus. Quelle inspiration! Maintenant, le centre. Trop court pour récupérer. Long ballon dans le sens du jeu. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Oh, quel geste! Il centre dans l'axe. Un peu d'air pour la défense. L'Iran insiste sur ce côté gauche. On voit bien qu'ils ont disséqué le jeu de l'adversaire. Attention à ne pas attaquer toujours du même côté quand même. Après, je sais pas, c'est peut-être une tactique brillante pour ouvrir des brèches de l'autre côté. Il cherche la profondeur. Ça pourrait être dangereux. Il peut frapper. Le ballon renvoyé par le poteau. Bonne intervention. Oh, ça peut aller. Oh, la frappe! Oh, le poteau! Oui, oui, il était hors jeu.
pas hésité à attaquer. Oh, le bon tacle glissé. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Bien joué, ça. Ça, c'est directement pour le gardien. L'interception au bon moment. En retrait pour repartir proprement. Ça joue long. Il allonge, pourquoi pas. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Il y a peut-être un coup à jouer. Dans la boîte. Essayer de s'appliquer sur ses corners. C'est repoussé. Et le tableau d'affichage est toujours figé. 0. Il prend sa chance. Oh, but pour la Chine. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Je trouve que c'est surtout bien amené. La dernière passe lui a permis de se mettre dans les meilleures conditions pour frapper. Et ça fait donc 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. C'est joué long. Il est passé. Voici un bon centre. Ça ne passe pas. Quelle reprise de volée! Alors que les premières gouttes commencent à tomber. La passe est précise. Gaolin, bien, la profondeur. Il a du champ sur le côté. C'est parfait, magnifique. Il met le ballon dans la surface. Il est là pour dégager. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Oui, l'entraîneur va peut-être se poser des questions pendant la pause. Il faut surtout que ses joueurs s'appliquent, qu'ils soient plus concentrés. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Ouverture lumineuse. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. La bonne passe. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Bien servi. C'est joué long, attention. Quelle passe. C'est pour lui, attention. C'est bien donné. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il se rattrape bien. La Chine, qui possède un grand entraîneur, comme il l'a prouvé la dernière journée. C'est clair, et tout le monde en a parlé. C'est bien de voir un manager tenter les choses comme ça. Oh, la frappe! Ça s'est joué à rien. Ouh, quelle occasion! Le bon dribble. Bien joué, ça. Un centre dans la surface.
Et ils vont effectuer cette touche. L'entraîneur fait rentrer du 109. Attention, un Goleador entre en jeu et comme d'habitude, il va tout tenter pour faire trembler les filets. Allez, c'est dangereux! C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il décide d'allonger le jeu. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Ils sont toujours menés au score, mais avec un peu plus de réussite, je sens qu'ils peuvent encore revenir. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. C'est joué dans l'espace. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Ce ballon dans l'axe. Le centre qui monte sa cible de quelques centimètres. Il cherche son coéquipier. C'est bien fait. Et le centre bien placé. C'est repoussé par le gardien. Cherche un coéquipier dans l'axe. C'est dégagé, loin devant. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exactement, oui. La Chine, qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Un long ballon vers l'avant. Ça, c'est une interception parfaite. Alors qu'on est à la 80e minute de cette rencontre. Oh, le bon ballon! Et on se dirige tout droit vers leur première défaite de la saison. Ouais, enfin... Enfin quoi? Bah, on ne sait jamais. Ils sont tellement en confiance ces jours-ci. C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Il tente de la jouer dans l'espace. Un peu de coaching, c'est bien. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Oh, l'erreur! Tout seul! Et peut-être... Ça peut faire mal! Allez, la défense pousse un gros ouf de soulagement. Ça, c'est de la détermination. Elle a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué! Boulette. Seul face au gardien. La tentative. Et le cadre se dérobe largement. Il a choisi de jouer long. Bonne lecture de la trajectoire.
partir de derrière. C'est fini, le match est terminé. Ce n'est ni la faute de l'arbitre, ni la faute de l'entraîneur. C'est sur la pelouse que cette défaite logique s'est jouée aujourd'hui. Oui, ils ont fait beaucoup d'efforts pour revenir dans le match malgré le but encaissé. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas suffi. C'est la fin de cet après-midi football. On s'est régalé tous ensemble et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous. Merci, Grégoire. On remet ça quand vous voulez. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette rencontre. On va peut-être connaître l'identité du champion aujourd'hui. Vous qui nous suivez régulièrement, pas la peine de vous rappeler qu'un match nul suffit à cette équipe qui nous a fait vibrer toute la saison. Oui, mais voilà, en face, il y a un groupe bien déterminé à gâcher la fête et à empêcher ce sacre. Alors il faudra faire preuve de sérieux et d'application pour remporter le titre. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Alors, à quel type de match peut-on s'attendre, à votre avis? Lorsqu'on a seulement besoin d'un petit point pour être sacré champion, on a besoin de faire des folies. On peut, si on veut, se contenter d'attendre tranquillement et de jouer en contre. Mais bon, d'un autre côté, ça rajouterait un peu de panache quand même de remporter le titre sur une victoire. Pour cette rencontre. Le titre leur tend les bras et c'est peut-être ici et maintenant qu'ils vont s'en emparer. Ils récupèrent le ballon, c'était un bon pressing. Oh, le tacle. Oh, le bon tacle glissé. L'Iran qui essaye de construire en la profondeur. Bien. C'est une occasion, ça. Oh, quel arrêt!
Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Ce sera le premier corner du match. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, attention! Il cherche la profondeur. Il est passé. Maintenant, le centre. C'est un nouveau corner. Il doit en profiter. Oh, la frappe! Pas loin, mais ça ne rentre pas. C'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. L'Iran, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Ça joue long. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Oh, c'est bon ! C'est très bon ! Quel but extraordinaire ! Yes, 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 yes ! Oh, c'était parfait, le gardien pouvait rien là-dessus. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était, et après, rien à dire sur l'exécution. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. C'est bien fait, ça. Bien servi. Ça peut faire mal. Oui, c'était puissant. Alors que les premières gouttes commencent à tomber. Dans la profondeur. Il enroule ce ballon dans la surface. Et le raid côté droit, il a du soutien. Bien, la profondeur. C'est joué dans l'espace. Vous frappez là ! On a failli voir un but magnifique. Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. Le Liban qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Grosse occasion. Oh, l'occasion! Ça joue long vers l'avant. Ce contre peut très bien aller au bout. Bon service dans la profondeur. S'il le trouve, c'est bien donné. L'arbitre signale une faute. Oh, il s'en sort bien. L'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Il le tente. Il file vers le but. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. La longue frappe.
n'a pas tremblé. Formidable. Il joue bien le coup là. Ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. Ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, ça pourrait être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Ce ballon bien dosé. Dans l'espace, ah non, ils ne se sont pas compris. Qui possède la meilleure attaque de ce championnat et c'est mérité. La frappe! Oh, ça rentre! Quel comeback! La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond, défilé! Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Oui, ils dominent franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Il y a peut-être un coup à jouer. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. La passe en retrait vers son défenseur. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Quelle passe! Le ballon dans la profondeur. Va-t-il en profiter? L'Iran qui peut avancer, allez. En retrait pour repartir proprement. La passe dans la profondeur. Il est bien placé. Il centre. Il décide d'allonger le jeu. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. Il y avait danger. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. Et quel retournement de situation on vient de vivre, c'était fabuleux. C'est la mi-temps, que vous inspire cette rencontre jusqu'ici? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord, quel match! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Et 3 buts dans cette première période, le score 2-1. Et le coup d'envoi de cette seconde période. La bonne interception. L'Iran qui est sans doute frustré par son dernier match, un match où l'équipe pouvait légitimement espérer mieux. C'est joué dans la profondeur. La tentative! Il y a un nouvel essai! C'est au fond des filets! Ils sont bien entrés dans cette seconde période. Quelle grosse frappe, et pourtant il était loin. Oui, il était concentré sur son tir, les yeux rivés sur le ballon. Il a déclenché sa frappe. Bim! Plus rien n'existait autour de lui.
match. En tout cas, il ne lâche rien. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. Et ils essaient de repartir de derrière. Il sonne la charge. Ça peut être extrêmement dangereux. Le bon dribble. C'est bien ce qu'il fait là. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans... Il prend sa chance. Bien repoussé par le gardien. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. C'est dégagé, loin devant. C'est joué long. Attends, il tire. Oh, l'intervention magnifique. Oh, c'est un arrêt important, ça. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Il part en solo. Oh, attention au contre, ça pourrait être décisif. Dans la profondeur. Il a pris tout le monde de... Oui, il peut frapper là. La passe était parfaite. Dommage. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Et c'est donc un changement. Ce n'est plus le même match depuis l'égalisation. Mais il reste encore un peu de temps pour faire la décision. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il allonge le jeu. Oh, le tacle! Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Ah oui, mais quelle intervention! D'autant plus crucial qu'ils étaient en avant. De la tête! Le bon dégagement. Il peut frapper. But! Il repasse devant. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Et les voilà donc en tête. Ça passera sur le côté.
Non, il est signalé hors jeu. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Non, c'est bien vrai. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Et la sanction tombe rapidement, il va y avoir du changement en défense après ce but encaissé. Eh bien, j'ai une pensée pour celui qui sort. C'est un peu comme lui dire qu'il est le seul responsable. Mais bon, il fallait changer quelque chose, ça c'est sûr. C'est joué long, c'est dangereux. Il tire. Aucun danger pour le gardien. C'était un contre rondement mené, comme vous dites, et avec un peu plus de réussite, ça aurait pu être un but magnifique. La bonne passe. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est joué long. Il la met dans la boîte. Quelle détente! Ils auraient pu tuer le match là. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. Il se dirige tout droit vers cette courte victoire. Ils attendent impatiemment le coup de sifflet final, la libération. Ils jouent en retrait. Ils n'avaient pas le choix. Plus le temps de tergiverser, c'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est vraiment dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. Attention, la frappe! Il est allé au bout de son action. Bien joué. C'est dommage, c'était très bien fait pourtant. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. C'est étonnant. On a l'impression qu'ils se contentent du minimum. Faut se projeter vers l'avant, dès maintenant et rapidement. On est dans le temps additionnel. Il cherche la profondeur. La passe est précise. Il a mis le... Oh, le coup de tête! Oh, pas de chance sur ce coup! Dans la profondeur. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Ça y est, c'était un rêve, c'est devenu réalité. Ils remportent ce match et ils remportent aussi le titre. Ils sont champions. Champion, quelle consécration. Il doit y en avoir des images qui défilent dans leur tête. Toute cette saison, les victoires, les coups du sort. Mais ce soir, ils peuvent savourer.